Hop, une aérobatterie, ça c'est fait. Ensuite, on a donc les copper câbles, ça on les a. On a les irons, on les a. Il va nous falloir un électronique circuit. L'électronique circuit, une iron plate, des copper câbles. Les copper câbles, je les ai. J'ai même moi un peu plus que ce qu'il faut, donc c'est bon. Donc ça. Attendez, avant. Il me faut juste un peu d'iron plate. Donc il me faut ça. Il me semble de mémoire que c'est. On vient de le voir, mais moi j'ai une mémoire de poisson rouge là actuellement. Quand je sors du boulot, c'est toujours comme ça. Non, c'est pas ça. Électronique circuit, c'est. Bah, c'est ça. Ah non, oui, d'accord. Ah, ok. Parce que je me suis planté, j'ai pris. J'ai pris une du tin au lieu de. Bon. Hop. On recommence. Ce coup-ci, c'est de l'iron. Ça, c'est presque mort. Plus que 3 utilisations. D'accord, ok. Hop. Et hop. Voilà, un électronique circuit. Donc ça, c'est bon. Et le dernier truc. Non, c'est pas ça. Ça. Il y a un truc qu'il nous faut, c'est l'électronique motor, du tin, du fer, d'accord, et les coils, ça se fait comme ça, je dois avoir assez de nickel, c'est parfait. Non, c'est pas ce que je voulais. Ça, ça je dois avoir assez, voilà, nickel. Et résultat, ça, je dois avoir assez aussi. Non, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il me manque? J'ai le câble. J'ai l'électronique circuit. J'ai le tin. Le moteur et l'aérobatterie. Du tin, c'est de l'iron, c'est ça? C'est ça. Ok, ça est la wrench et on a notre électronique wrench et qu'on va recharger très rapidement. Normalement, on peut la recharger ici sans problème. Nickel. Bon, voilà, comme ça on va pouvoir déplacer tout notre fourbi ici. On va voir comment on organise ça en attendant que ça se recharge. Voyons un petit peu. Notre coffre est là. En soi. Wow. La cuillerie n'empêche avec le. Franchement, ça marche très bien. Oui, j'ai également un void qui élimine systématiquement toute la cobble parce que j'en ai beaucoup trop. Remarque la dirt aussi, j'en ai beaucoup trop. La dirt, ça a commencé à être un problème aussi. Mais bon. Au pire, si c'est un problème, hein, ça aura le même traitement que la cobalt, c'est-à-dire que ça servira simplement. Ouais, 54, oh, calme-toi, Coco. On va arrêter la terre également. Il y en a beaucoup trop.
que c'est bon quoi, sans stack, ça devient largement suffisant. Hop, le vert. Voilà, et eh ben ça soulage. Bon. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? Hop, ça, hop. Qu'est-ce qu'on peut... Ben, normalement c'est bon, mais je réfléchis comment on va pouvoir agencer. Je pense qu'on va simplement déplacer de ce mur-là. Derrière, là, il n'y a rien. Non. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus rien. Et ici, j'ai encore des enderpearls. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que je pourrais éventuellement essayer de me faire prochainement un nouveau Tesseract qui me servira, je sais pas encore à quoi. Ben pour le boiler, pour le... Ouais, éventuellement. Je suis en train de réfléchir à la ferme à arbre. Ce serait bien également de la mettre sur un Tesseract avec le boiler. Et comme ça, on serait tranquille. Ouais, on serait tranquille. À voir, à voir, à voir. De toute façon, elle sera déplacée. Elle sera certainement déplacée sur le toit. Avec le boiler. Le sludge boiler. Voilà, chercher le nom complet. Avec le sludge boiler, ça. Ça devrait être pas mal. Enfin, ça devrait. Faudra juste faire attention à ça parce que ça risque de nous empoisonner un petit peu. Mais sinon, ça devrait pas poser plus de soucis que ça. Hop, on en a un. Est-ce que j'ai toujours là-bas deux paramétrés? Ça doit être ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai de quoi me faire encore du... Il me faut mes seaux. Mes seaux, mes seaux. Là, je les ai mis dans la pile d'énergie stick, monsieur. Bah, faut croire. Alors, des buckets. Des buckets, c'est cela, mais j'en ai qu'un. Ce qui est bizarre, mais bon. C'est suffisant. Hop, ça c'est fait. Donc, on prépare un prochain Tesseract. Pareil, je commence à plus avoir de pulvérisé chenille métal, mais ça, c'est notre query qui nous en redonnera sur la fin. Il faut pulvériser du ferrous pour ça. Hey, hey, hey. Et dans le induction smelter, j'ai toujours mes pyro dust là, pyrothème dust. Hop, on fait cuire l'underium blend et ça va nous donner des espèces de briques d'underium qui nous permettront de faire des tesseracts. Normalement là j'ai de quoi en faire ben, un. Ça, puis on va laisser un... Ah oui, mais j'ai plus de bronze. Faudrait que je refasse du bronze. Bon, je verrai plus tard pour le Tesseract. Quoi qu'il en soit, ici, est-ce que je me lance dans un autre export bus pour ce que je me prépare à poser ici? On va voir. On va voir, on va voir. Toi, t'as fini de charger. Donc on va commencer déjà par... Le macérator qui ne me sert pas à grand chose. Ça. Toi, hop, tu as terminé de te vider. Et pendant ce temps-là, on va déjà commencer à déménager le reste. Alors, on va se mettre ici. L'énergie ici déjà. Allez, l'énergie ici, hop, avec ça. Et le macérator, on va le mettre à gauche. Pour le moment, voilà. Ensuite, il va nous falloir le reste.
Alors, le reste, c'est pas compliqué. Il va nous falloir déjà. Hop. Ça. Et ceci. Non, c'est pas avec celle-là, c'est avec celle-là. Voilà. Hop, on récupère le tout et on va tout déménager de l'autre côté. Bon, on va bien voir comment on organise la chose, mais je pense que... Bah, de toute façon, ça va pas être compliqué, je suis bête. Ça peut être bien compliqué, je sais comment je vais faire. Alors, hop, les scraps si tu veux. Bah pour le moment. Ok. Là, je suis critique niveau life. Le mec, il s'envoie deux gâteaux, toujours pas rassasié. Quand il voit la taille des gâteaux. Bon. Ok, donc ça, c'est bon. Recycleur. Alors. Que je ne dise pas de bêtises. Le recycleur, on va le mettre. Ah oui. Oui. Tout à fait. J'ai fait n'importe quoi. On va devoir surélever un petit peu. Alors, on va commencer par la fin, en réalité. On va commencer par la fin de chaîne et on verra le reste après. Donc déjà, ici, on va virer. Ici, en fait, ce sera notre coffre tampon, hein. À chaque fois, ce sera le coffre qui va tout stocker en attendant que... donc ici coffre tampon. Ensuite on va avoir du. Alors on va avoir ici notre workstation. Elle sera ici avec. Avec ceci, le redstone énergie. Non, pas comme ceci. Se casse la main, ça. Comme ceci. Oh, c'est pas vrai. Allez, voilà. Ok. Petit courant de redstone. Voilà. Déjà ça, c'est fait. Ensuite, ça. Hop, pas bien compliqué. Donc ça, ok. Ensuite, on va avoir le recycleur. Le recycleur. Non, on va avoir un entonnoir déjà. Un entonnoir, hop, tout va bien. Et il va nous falloir le recycleur. Par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est le recycleur. Ensuite, on va avoir. Après, on mettra un tesseract, hein, là-dessus. Un tesseract avec. Ouais, avec tout ce qui est dirt et voilà. Ensuite, que je dise pas de bêtises. Bah, il va nous falloir l'énergie. Donc, et ben, toi, bah, tu t'es rechargé à rien. Non, merde, ça, c'est le macérateur. C'est ça le générateur. Ok, ici, éventuellement, pour gagner un peu de place, le macérateur... non, le macérateur, il devrait obligatoirement être placé ici. Parce qu'on pourra mettre un entonnoir et des trucs au-dessus.
Ok, ici, hop, hop. Donc ça, c'est bon. On peut déjà remettre un petit peu tout ça. Ok. Et maintenant, il y a ça à déplacer. Alors, ça, je pense que... Ah oui, puis, tant que j'y suis, tant que je l'ai crafté... Ah, je ne l'ai pas crafté, mais je l'ai pas crafté récemment, mais... Tant que je l'ai là sur moi, hop, l'upgrade. Ça éventuellement. Voilà. Puis. Puis voilà. Ça me paraît bien ça. Comme ça va directement dans la pile d'énergie sticks. Et puis il me reste plus qu'à ramener tout ce qu'il me faut. Je voulais vider mon stuff. J'ai rien d'important là-dedans. Ça, je vais éviter de le mettre. Ça aussi. Et ça, j'en ai besoin. Hop, parce qu'il me semble que le macérateur, s'il n'a pas de courant de redstone, il ne fonctionne pas. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. Ok. Et donc là, est-ce que, bonne grande question, est-ce que si je mets un coup de wrench là-dessus, est-ce que je peux le récupérer? Non, va falloir le casser. Bah quitte à le casser. Est-ce que si je le casse comme ça, je perds la cobble ou pas? Apparemment non. Avec le barrel, ce serait mieux. Ok. Ça ici non voilà et celui-là et comme ça, ici, on a déplacé notre nos ben, tout ce qu'il nous faut pour notre recycleur. En grande partie. Ici, ça devient vraiment le bordel un petit peu. Ça, ouais, franchement, tout ça, faudrait le déplacer. Fonctionne pas? Non, non, ça a poussé par hasard. Bon. Pareil, j'avais de l'humus quelque part. Je suis sûr qu'il s'est retrouvé dans la pléiade d'Energy Sticks, mais je l'ai pas vu passer. Et ben voilà, je savais bien que j'en avais. Bon, pour le moment, la ferme à arbre, je la déplacerai certainement hors caméra. Mais voilà. J'ai plus de fertiliseur, j'ai plus d'os, j'ai plus rien à mettre dans ma turtle ici. Elle a tout consommé. Donc c'est tout. Eh merde, quand on brise de l'humus, on récupère de la terre. Bon, ok, je le saurai. Je le saurai le prochain coup. Donc ça. Sand et la dirt. Je réfléchis. Mais bon, là déjà, on est bien. On est bien, on est bien. Bon,
ça descend un peu vite, mais c'est normal, c'est ça qui se remplit actuellement, ça pareil. Récupérer un peu de cobble. C'est pas là, c'est à côté. Ok. Et ici, ma wand est toujours restée là-bas. Je vais juste refermer un petit peu. Pour être peinard. Et puis... Hop, build wand. Ça devrait aller. Donc il faut déjà faire un premier penchant de mur. Pas ça. Et ça va aller jusque 1, 2, jusqu'ici. Ça me paraît bien ici. Allez, hop. Et là, avec la wand, hop, les petits clics droits. Et voilà. Comme ça, on a nos trucs de fait. On va juste surélever un petit peu. Ouais, et puis ici, je casse pour... On va juste checker l'éclairage, et puis bah, c'est bon. Alors, F7. On va mettre ça derrière. Oula, petit freeze. Bon, bah écoutez, ça a l'air pas mal ça. Avec les petits escaliers devant, et puis voilà. Non, ça commence à avoir de la tronche, c'est bon. Ça va. Bah, c'est juste des box, hein. En fait. Je fais ça sous forme de box. Et puis, bah, il y aura des box un peu partout pour gérer toute l'énergie. Et tout, d'un côté l'énergie, de l'autre un petit peu tout. Voilà. Bon, on a de quoi avoir du scrap. Allez. En soi, le scrap... Ah, oh, j'aurais pu faire autre chose aussi au niveau du scrap. Parce que là, je récupère directement le scrap et je récupère le... Enfin, les... Je récupère directement les box. Alors que j'aurais pu... Ah bah si, j'ai des os. Ouais, j'aurais pu... comment les faire tirer dans un... d'un dropper avant de les envoyer à l'applier d'Energy Sticks. C'est mal éclairé ici. Hop. Allez, lance-toi. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, j'aime ça, franchement. À voir ce qu'on peut faire avec le reste. Oh, une petite fin. Voilà. Bah écoutez, je suis assez content. Je suis assez content. Est-ce qu'ici j'ai du charbon? Ouais, j'ai du charbon. Oh non, pas déconner. Alors, quand j'ai du charbon, je le mets prioritairement, comme ça m'économise un peu de charcoal. Et j'utilise vraiment le charbon de la cuillerie. Qui de toute façon me sert pas à autre chose.
Voilà. Comme ça, c'est réglé. Eh ben c'est bien, ça tourne pas mal, ça tourne bien, on a comme ça toutes les ressources que l'on veut. Presque toutes, hein, il nous manque le gros problème à présent. Oula, s'il y a des zones où c'est mal éclairé. Il y a comment, le dernier problème, c'est ça. C'est ça, parce que je ne récupère pas de la mob essence autant que j'aimerais en récupérer. Donc ennuyeux. Voilà, il a déjà fait son deuxième cycle. Lorsqu'il y aura le troisième cycle, on va encore augmenter. Franchement, ça marche très bien. Voilà, puis vous voyez, hein, il a récupéré le reste. Donc il est passé de 86 à 87 items. Non, franchement, cette tortelle-là, elle est excellente. Elle est excellente. Elle dit dans quel cycle elle est. Et puis au moins, on sait si elle bug ou pas, quoi. Alors par contre, je vais voir un truc. Je sais que normalement on peut faire un comment forcer la fermeture d'exécution des turtles. Mais j'y arrive pas. Je vais juste prendre de la terre ici parce que c'est chiant si je dois à chaque fois. Si je dois à chaque fois changer, ça va m'énerver. Ici, je devais récupérer un bassin de quelque chose. Du silver, c'est ça. Et puis en bas, je dois avoir du tin. Parce que ça, pour le moment, je m'en sers plus. Enfin, ça servira. Faudra que je l'automatise également, en fait. Que je trouve un moyen de l'automatiser pour les ressources, hein, systématiquement. Quoique je sais que normalement, il me semble qu'au pulvériseur, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, hein, c'est au pulvériseur. Hop! Qu'est-ce que tu me fais toi? Toi, tu vas me changer ta... Ça, j'en veux pas. Voilà. Même, je vois rien du tout. Voilà. Non, et... Pulvériseur de ferrous, il me semble que je peux le faire chauffer. Et ben on va faire ça. On va faire ça, on va changer. On va repartir sur un petit peu d'industrial craft. Et je sais qu'on a une machine qui s'appelle. Qui s'appelle la. Ouais mais c'est lequel? Oui, c'est pas celui de Thermal Expansion. Thermal Expansion on le connaît. C'est celui d'Industrial Craft. C'est avec un Electric Furnace. Qui se fait avec un Iron Furnace. Avec des Iron Plates. Ok. C'est simplement donc un Furnace. On n'a pas de Furnace. Donc on va prendre de la cobble, c'est pas un souci. Hop. On va garder quelques-uns en stock. Et on va laisser ça ici. Ensuite, il va nous falloir des iron plates. On va en manquer. Et le marteau, je l'ai sur moi, même si il va péter. Faudrait que j'en refasse un. Bah, je peux en refaire un. Hein, j'ai de l'iron. Iron stick. Allez, hop. Comme cela. Hop, voilà, comme ça on a un marteau tout neuf. On va pouvoir se faire 3 iron plates. Hop, on va se faire le reste. 12. 12 iron plates, ça nous suffira.
Iron Furnace. Déjà celui-là, je pense qu'il tourne pas mal. Mais... Donc c'est ça, donc lui il sert au générateur avec un RE batterie. Mais on peut le changer en power. Enfin, en électrique. On fait ça? On va faire ça. Ok. Non, on va garder pour le moment l'Iron Furnace. Je suis sûr que c'est largement suffisant pour faire cuire ce dont on a besoin. Est-ce que par contre... D'accord, oui, il se comporte lui par contre comme un véritable four. Pas de soucis là-dessus. Mais par contre, il doit être plus rapide. Ouais, c'est ça. Il est plus rapide à utiliser. Oh, il est deux fois plus rapide, quoi. Bon, bah, moi, ça me suffit largement. De toute façon, c'est pendant que ça cuit, je fais autre chose, hein. C'est pas le problème. Quitte même à utiliser, à mettre deux hoopers ici. D'ailleurs, des hoopers. Hop. On va refaire quelques-uns. On a du fer, on a tout ce qu'il faut pour. Ça 3, ouais, ça me paraît bien. 3, ça me paraît bien. Comme ça, dans le macérateur au cas où, ici et ici. J'ai besoin d'un coffre. Je l'ai posé ici. Et on va faire ça comme ceci. Et quand j'en aurai un quatrième, je mettrai sur le furnace. Ok, là on a un problème. Là on a. C'est. Ça spawn sur les hoppers. Je savais pas. Je me demande si c'est pas une erreur d'interprétation de code. Normalement ça spawn pas sur les hoppers. Mais bon. Ici, voilà, comme ça, moins de soucis. Voilà, puis là, on récupère, et là, on peut mettre même notre ferrous sans problème. Ici, de toute façon, on peut pas directement le mettre là-bas. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Alors, j'ai juste une question, c'est vis-à-vis de lui. Est-ce que lui, on est toujours... ouais, on est toujours... Dedans, ouais, on est dedans. On est toujours dedans, donc ça va. Qu'on peut voir les deux queries, hein, elles ont. Donc oui, j'ai construit le bâtiment au-dessus de la première query. Hein. Je me suis pas embêté, ça. Comme ça marche bien. Allez, toi. Arrête d'avoir d'énerver tout le monde. Voilà, bon j'ai fait de grandes portes de 3x3. Je sais pas encore comment les fermer. Ici ce n'est pas une erreur, c'est juste que j'avais la query, je voulais l'avoir en plein accès avec les moteurs et tout. Je fermerai certainement ici. Tout ça s'est récupéré également, il n'y a rien dedans. J'ai tout envoyé dans Applied Energistic. Voilà. Bah écoutez, ben je vais m'arrêter ici. Je continuerai de toute façon hors caméra, mais ok. Et puis
c'est tout. Juste, on va vérifier un dernier truc ensemble. Je vais juste prendre un petit peu d'iron. Juste un. Voir si on peut pas modifier un tout petit truc. Je suis en train de réfléchir, mais normalement non. Désolé, ça a coupé. Je crois que je suis au bout de mon disque dur. J'ai pas fait le... Bon, rapidement, j'ai juste mis un coffre là-haut. Un hopper ici. Tout ce que je... Ma serre, ça arrive là-dedans. Donc c'était le levier hein, qui gênait le hopper. Et puis voilà. Donc j'ai mis tous mes ors ici. Je les ai ressortis de la pléiade énergétique rapidement. Pour tous les mettre ici. Tout va macérer. Tout va être multiplié par 2. Et je renverrai moi-même dans l'Iron Furnace. Ce qu'il me faut, ce sont des trap chests. Donc pour pouvoir les coller aux autres là. Des... Tripwire, j'ai pas ça. Mais comment on peut faire des trip... je sais plus comment on fait des tripwire. Planche, stick, iron. Iron, j'ai. Stick, j'ai. Planche, j'ai. Et de l'iron, j'en ai un peu plus. Ça a du mal à prendre le record. Bon, ben, rebonjour à tous. Un bonjour à tous. Je sais pas si on est à la fin du... d'un épisode ou pas. Ça a bien poussé. Je crois que j'ai relancé le jeu. J'ai laissé tourner mon jeu toute la journée pendant que j'étais au boulot, pendant que je travaillais. Non, il aime pas du tout. Ok. Je relance le jeu. Je reprends tout de suite. Bon, voilà. Après un petit rafra... Enfin, comment? Après avoir fermé et relancé le monde. Non, il y a quelque chose qui va pas avec mon record. Non, ça c'est l'inventaire, c'est pas ce que je veux. Ok, donc petit changement. Il y a eu des petits changements. Excusez-moi. Il revient en plus. Bon, comment? Donc trois petits changements. Premièrement, là-haut. Je vais vous montrer ça rapidement. Excusez-moi. Je suis un petit peu embêté. Ben, je vais pas pouvoir vous montrer, mais en fait à l'intérieur. Il y a... J'ai fait... Oh, si je vais vous montrer, je vais juste aller chercher ma pioche. Bon, c'est chiant, c'est saut de FPS. Autant que... Ça m'accosse autant que vous, je vous rassure. Une pique. J'ai plus ma pickaxe en diamant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, bah on va refaire une rapidement. Ah oui, non, je l'avais utilisé dans le laser, c'est vrai. Ça me revient. Parce que j'ai un gros problème, c'est avec le quartz. Les sticks. J'ai un gros problème avec le quartz. On va y venir après. Plusieurs choses à voir. Oh là! Non, 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 ça c'est pas gérable. Ce qu'il me faut, c'est encore des underperles. J'en ai 40. Bon, je coupe carrément le jeu parce que j'ai juste relancé le monde. Je coupe carrément le jeu et je relance parce que là, c'est pas gérable. Je prends juste mes underperles. Non, le boule de zombie, j'en veux pas. Et... Oh merde! Qu'est-ce qui m'arrive? Je les connerais en plus. Bon, je coupe complètement le jeu. Ah, bah non, c'est là, c'est l'heure d'être revenu. Attendez, juste une seconde. Tant pis pour le boulot. J'ai juste coupé mon NetBeans. Voilà. Que je peux fermer d'autres, ça je peux le fermer. Les fenêtres de debug, hop, voilà. Voilà, parce que je reviens du boulot et évidemment j'ai mes fenêtres qui sont toujours ouvertes pour le boulot. Enfin, ça change pas. Voilà, donc on va voir ce qu'il y a dans cette fameuse tour à mob. Quand j'aurai arrêté de faire des bêtises avec mon clavier.
On va se mettre là sur le côté. Voilà, c'est juste des deux étages de spawn comme ça. Alors, épileptiques savent se tenir. Voilà, c'est juste deux petits étages comme ça. Olé! Voilà, et puis donc simplement bah, les mobs spawn. Donc je peux pas avoir d'araignée, ça m'intéresse pas. Et donc tous les mobs, bah, ils spawnent sur les cailloux. Ils tombent là-dedans, ils sont entraînés par ces convoyeurs belt, c'est des tapis roulants qui se font avec du rubber et de la redstone et un peu de fer. Convoyeur belt, c'est le basique, ça doit être le orange. Non, ça doit être le orange si je veux de bêtises. Non, bon. Non, oui, c'est comme ça. Voilà, donc du rubber, de la redstone et du d'iron. Ça nous en fait 16 à chaque fois, donc c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher à créer. Donc voilà. Hop, on remonte. On referme. Au besoin, je referai un troisième étage. Et donc simplement, cette tour à mobs là, on tombe. Enfin, les mobs tombent. Arrive ici. Ici, j'ai mis finalement mon... C'est-à-dire, ça s'est récupéré. Hop. Ici, j'ai mis mon Tesseract. Donc un autre Tesseract en fait. Pareil, branché sur la lave, lui il ne fait qu'envoyer. Alors, il reçoit de l'énergie, donc il la transmet ici à la ferme à mob. Enfin, ouais, à la tour à mob. Et il renvoie tous les items dans Aplaya d'Energy Stick. Donc c'est pour ça que mes Underpearls, je les ai dans Aplaya d'Energy Stick systématiquement avec les autres loot de mob. Donc ça c'est bon. Ici ça je continue à mettre un petit peu des lava générateurs. D'ailleurs les derniers que je mets, ben c'est bon, ils se remplissent. Vous voyez, ils sont quasiment à fond. Enfin, ils se remplissent et puis ils se vident automatiquement. Donc celui-là il est constamment à fond. Il se vide pas. Donc c'est qu'on a suffisamment d'énergie. Par contre, ça se. Ils n'arrivent pas à faire une moyenne entre eux. C'est ça qui est bizarre. Ça serait cool s'ils pouvaient faire une moyenne entre eux. Ou alors, simplement, si je fais un truc tout con du genre... A pas l'air de vouloir. Ils n'arrivent pas à faire la moyenne entre eux. Ce serait sympa s'ils pouvaient faire la moyenne entre eux en fait. Mais bon, c'est peut-être pas le comment, c'est peut-être pas optimisé pour. Ouais, ça envoie de l'énergie. Voilà. Donc ici, vous savez, ça reçoit la lave et ça le convertit en énergie. Et puis ensuite, voilà. Alors ici, ça a un peu évolué. Ici, ça a un petit peu évolué. Ça paraît pas, mais il y a un câble qui part en dessous. Voilà, sous la flotte, qui fait tout le tour. Passe par là, et qui va là-bas, on y reviendra après. Et ici simplement, ben on a, voilà, je vous l'ai dit, un autre Tesseract. J'en ai deux encore en réserve de Tesseract qui pour le moment me servent pas. Et ici, donc on a des importe-bus. Donc les importe-bus, ça permet simplement de. Ce qui arrive dans la pile d'énergie Sticks, bah simplement par exemple ici, d'ailleurs il n'y en a plus, par exemple ici il y a de. Voilà, j'ai fait un filtre pour la terre et en fait toute la terre hein, d'appli d'énergie Sticks arrive ici. Ici c'est censé être du sable, il n'y en a plus. Et ici c'est le salpelter. Donc le salpelter, je ne sais pas à quoi ça correspond dans la vie réelle. Quoi qu'il en soit, il me faut ça. Et vous savez qu'en combinant ces trois choses-là, on a du fertiliseur. Voilà. Le fertiliseur est extrait, est embarqué en haut, j'ai laissé un trou pour passer, et tadam, ici, donc, ça remplit nos coffres de fertiliseur. Je regarde rapidement, normalement ici, ouais, le sable, je le trie pas, hein. La cobble de la curie, je vais peut-être la récupérer arrivé à un moment quand même. Parce que je vais avoir besoin de cobble. Mais bon, pour le moment, c'est pas. Ah d'accord, ici c'est vide. Hop. Charbon.
Qu'est-ce que j'ai le plus? Ouais, bon, de toute façon, on va prendre les deux. Alors, allons-y. Le charcoal. Ça va aller ici. Le charbon normal ici. Et il va me falloir de la cobble. Ouais, la cobble, voilà, je vais avoir, j'en manquais. C'est pratiquement sûr. Alors ici, j'ai eu un bug. Je m'étais fait une épée en diamant. J'ai cliqué sur le baril qui était vide. Et puis apparemment, bah, ça m'a transformé mon épée en diamant en scraps. Voilà. GG. Qu'est-ce que... Donc ici, oui. Alors ici, je compte mettre, c'est une énergie celle là-haut. Voilà. Et ici, on... Ah oui, et donc ici, j'ai pas fini. Mais ici, ça a un petit peu évolué. Ici, on a des importe-boss. Voilà. Qui s'occupent de récupérer le crochet d'iron, tout ça. Le haut à coude. Également qui l'envoie dans cet entonnoir là et qui alimente ce four. Ça va changer ça parce que le four n'est pas assez puissant pour malheureusement tout traiter. Ici on a un export bus sous le coffre qui récupère bah, tous les items du coffre et direct dans la pliée d'Energy Sticks. Comme ça c'est résolu. Toi tu restes là. Voilà le scrap qui produit. On va gérer le scrap après, mais là, le programme, bah, ça va être déjà d'essayer d'optimiser ça, parce que ça commence à devenir ingérable. Donc, tout simplement, je pense que je vais déjà abattre ce mur-là et faire toute une rangée de... Alors, je sais pas si je vais faire des furnace iron. Non, en fait, j'aimerais voir déjà, c'est... Au niveau des furnaces... Ça c'est faisable. Mais on va faire l'électronique. Enfin le. Ouais le. Ce truc là. Alors, un électronique, je sais jamais comment on les fait. J'en ai fait peut-être une centaine depuis le début et je me souviens jamais. C'est de l'iron plate, du copper câble et de la redstone. La redstone je l'ai. Des plates, je dois en avoir. J'en ai une. On fera avec. Et du câble. Bah, du copper, j'en ai là. Enfin, des. J'ai ça, j'ai ça. Il me manque plus que le. Rubber. Ok. Plate, j'ai tout pour en faire un, donc c'est bon. Donc j'ai dit que c'était ça. Ça et la plate qui est ici. Et j'ai mon. Non, ça c'est un tin plate. Ok, d'accord, je me suis fait avoir. Iron. L'iron, c'est plus un souci. Il me faut le hammer. J'ai plus mon marteau là, le... Bah, il est où mon espèce de marteau? Ah, non. Non. Bon, bah, on va en faire un également. Alors ça... Voilà, on va faire comme ceci. Comme ceci. Ok. Des plates, on va en refaire pas mal. Ça peut toujours servir de toute façon. Alors, câble. Redstone. Ok. Ensuite, pour notre furnace. Donc c'est celui-là qu'il me faut. Quoi, qu'est-ce qui me manque? Bah, l'Iron Furnace.
simplement. Et pour celui-là, il me faut le électrique. Ok, toi t'es mad, je sais pas contre qui, en tout cas apparemment pas contre moi. Hop, ok. Alors, on a donc tout ce qu'il faut normalement. On a ça. La redstone. Oh putain, j'y crois pas, il est passé dans le... Minecraft. Bon. Wow! Oh, ce glitch de la mort! Ah d'accord. Voilà. C'est un petit glitch à deux ronds. Bon. Et donc je suppose que le furnace, il est arrivé ici. C'est ça que je voulais, c'est ça. Ok, je l'ai mis ici, ici. Electrical furnace. Est-ce que tu pourras t'alimenter tout seul? Apparemment non. Donc il va... Oh, instant téléphone. Ok, re. Donc... Non, ça c'est le macérateur. Donc toi, il va te falloir de l'énergie. Il va te falloir de l'énergie. Ah, comment je vais t'amener de l'énergie, moi? Avec un autre générateur? Ouais, mais ça me consomme encore plus de... Et puis surtout par coup, je peux te l'amener l'énergie. T'es marrant, toi. Ouais, remarque que ça... Bah, ouais. Ouais, on va faire ça comme ça. Je reboucherai derrière. Je trouverai un... où j'utiliserai des covers. Ça sert à ça. Et alors, il me faut... Donc ça, c'est du... Attendez que je dise pas de bêtises. Industrial Craft. Industrial Craft. Industrial Craft. Les câbles, c'est ceux-là. Ce sont les... Quoique les tin câbles suffiraient. On peut poser des copper câbles, non? On peut pas. On peut? Si on peut, ça résout tous mes problèmes. On peut. Nickel. Ouais, évidemment, j'en ai pas assez. Donc, il nous faut plus de rubber. Est-ce que j'ai plus de rubber? Non, mais j'en ai un coffre complet qui m'attend ici. J'ai toujours pas exploité ça. Hop. Ça, je l'ai toujours pas ramené. Je crois qu'on va le faire, mais bon, plus tard. Donc voilà. Et je disais donc, ah oui, d'ailleurs, il va falloir que j'aille dans le nether après. Pour ne serait-ce que relancer la turtle qui alimente la lave. Pour le moment, on a assez d'autonomie de lave pour laisser un peu tourner comme ça. Les tanks qui étaient ici, je les ai déportés. Je les ai ramenés dans le... Comment je les ai... Non, je les ai pas détruits. Je les ai mis dans le Nether. Avec le tank. Tank, j'y suis. Magma Crucible. Hop, ici. Bah, ici, t'es presque plein. L'autre. Ici. Ah oui, il me faut encore du tin.
vérifier. Il faut que je vois si j'en ai. Donc ça, c'est une des compositions qui sert à faire les... Je l'ai vu, je m'éloigne. C'est qui sert à faire les tesseracts. Donc voilà. Normalement des buquettes. J'en ai deux. Voilà, on est full. On n'a plus de soucis au niveau des under buckets. Enfin de non pas des under buckets, des tesseract. Hop. Qu'est-ce que tu veux, super? Qu'est-ce que tu veux? Non. Oh non. Ok. De quoi j'ai pas besoin? C'est ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin non plus. La crafting table, si on veut. Ah non, ça j'en ai besoin. Ouais, bah c'est bon, j'ai récupéré. Bon bah ça tombe bien, ça me fera ramener mon... Hop. Alors, le shiny. Le pulvérisé tin. Non. Oui, si, c'est ça, Tine. Ok. On a assez pour faire deux tesseracts, donc pour le moment, j'en ai déjà deux en préparation, donc enfin déjà deux de. Voilà, j'ai déjà deux tesseracts qui sont pas utilisés, prêts à être utilisés. Donc pour le moment les tesseracts on va ralentir, ça me sert à rien d'en avoir plus. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais automatiser d'autre. Hein, pour le moment tout fonctionne. Oui, et pareil, je sais plus si je vous ai montré, mais la ferme à arbres, entièrement automatisée. Donc le sludge est directement utilisé. Ici, donc on renvoie. Alors. Je vous réexplique hein, au cas où. Ici le wax sapling ne passe que dans le verre. La moitié va dans le planteur, donc histoire de le réalimenter. Et s'il est full, ou même déjà rien que la moitié déjà d'origine, va dans le void. Ici c'est un anti-retour, hein, un iron transport pipe, donc en iron. Le diamant il sert à trier. Donc simplement on dit bah, tout dans le rouge. Hein, puis dès que ça repart dans le jaune, ben c'est renvoyé par l'iron pipe. Ici pareil, donc tous les éléments partent directement là-dedans. Donc on récupère dans le tesseract hein, les items, donc directement le wack, les pommes. Bon, pour le moment c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ici on a le fertiliseur. Les turtles j'en mettrai.